Et hello les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Wolfenstein Youngblood sur PC. Donc on y joue en solo. Enfin, je dis on, mais en fait je suis tout seul, donc c'est bizarre de dire on. Ah, c'est un gros toutou ça. C'est un très très gros toutou. Est-ce qu'on peut tuer les gros toutous sans se poser de questions? Je pense que oui. Ah mince. Tu peux m'aider? Faut que je me tire d'ici et vite. De retour dans l'action est presque invincible ça. Vas-y, je prends les bras pas. Mais ils sont là bien protégés ceux-là hein. Allez, sœurette, j'ai besoin de toi. Le retour au combat, on va tracasser des nazis. Ça, c'est bon. Tu peux mourir, s'il te plaît? Non. Ça marche. J'entends encore des gens qui meurent. C'est grave, docteur. Peut-être mignon. Se promener un peu. Toi, je te récupère. Bonjour. Ah, mais il est vraiment blindé, en fait, celui-ci. Tu veux te rapprocher, s'il te plaît? Au revoir! Ça explose à la fin ou pas? Oui. Oui, ça explose, c'est bon. Merci d'avoir participé, bonhomme. On se souviendra de toi, ou pas. Attends, ça là, on peut le casser. Toc, ça c'est bon. Un jour j'arriverai à me retenir droit aussi. Si, si, je vous jure. Alors, allons bousiller ce qui nous reste par ici. Là, il y a un escalier. Là, il n'y a rien. Première vue, quoi qu'on pourrait ramasser quelques pièces quand même. Fais pas ta feignée, City. Il y a des tas de choses intéressantes à voir. Genre, hop là, tadam. Ça, c'est bon. Ça, je peux pas le péter. Ça, je peux rien faire non plus. Ça, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. On va passer d'abord par celui qui est en bas. Je vais tout casser. J'aime le ou pas? Comment ça, j'aime le quoi? Apparemment, il y aura un code à utiliser quelque part. Ça l'avait même pas abîmé. Il y a des pièces ici. Bon, je crois bien que cette usine à Panzerhorn ne servira plus jamais. Bien joué, Sarrette. Il y a un truc à code. Oh, le change passive. Vous jamais décevoir. Non. Résistance peuvent remercier Bonne Étoile pour venir. Alors, 3, 4. Elle a été rapide. 3, 4, 1, 10. 3, 4, 1, 10. On va se souvenir de toi ou pas? J'arrive pas à comprendre ce que tu me dis, Xavier. Wow, wow.
30 secondes. Je me lève. C'est là que je me suis dit, si jamais j'avais pas désactivé la caméra, j'aurais été un peu embêté. En effet. Les filles, vous êtes incroyables. Juste à vous le dire. C'est gentil, merci. Mais je savais que j'étais déjà incroyable. Hop là, toc toc toc, on y retourne. Mais là aussi je peux un péter. C'est quoi là ici, attendez. Mais si je peux péter ça. Voilà. Des points. J'ai dit ça moi ? Quand ? À la fin des rediffusions ? Parce que c'est pas ça que je dis, c'est la fin des rediffusions. Je parle pas de souvenirs. Ou alors j'ai dit ça tout à l'heure pendant que j'étais en train de jouer, j'ai oublié. Vous êtes tellement incroyable. Ce qui est amplement possible, me connaissant. Et bah voilà, on est revenu au début. Hein ? La machine qui marchait pas. Toc, ça je prends. On est revenu au début, donc ça c'est notre mission d'accompli. C'est qui le patron encore une fois, hein ? On voit rien. Je peux avoir la sortie s'il vous plaît ? Hop, voilà, on y est. Est-ce qu'il reste notre mission secondaire ? Il y a 5 minutes j'ai dit ça. Je sais plus, j'ai oublié. Ça remonte à trop loin pour moi maintenant, tu vois. Ah, je m'affale dans ma chaise, parce que je le vaux bien. Et je vais plus bouger pendant quelques minutes, je crois. Du moins si j'y arrive. Je suis tout tordu, c'est pas grave. Est-ce que ça marche toujours, le distributeur de quiche ? Oui, apparemment. Faut continuer à gagner les quiches. Tout va bien. Tout est ok. Alors, toc. Je ressens comme une présence. On n'est pas seul. Ok, donc ça, je pouvais pas le récupérer. Ah, je suis désolé. Est-ce qu'il faut que je fasse notre mission maintenant ou que je parte directement ? Faut que j'arrive à rentrer vers la prison. D'accord. Entrer dans la prison. Okidoki. Il y a tellement de points dans tous les sens. À moins que, attendez, je suis en train d'y penser, mais dans les armes. Il m'en manque encore, c'est pas possible. Diesel Hammer, il faut quoi pour ouvrir cette porte? Ils nous disent qu'il nous faut quoi? Kraftwerk. Ce que je fais, mais je le fais. Parce qu'apparemment, c'est bien cette arme-là qu'il me faudrait pour péter ça. Perdu. Comment je peux ouvrir ces portes? Ça va être cassé là, je crois.
hommage. C'est pas mon roi. J'ai l'impression que j'ai une chance de débuter. Donc comment puis-je avoir le diesel à mort? Je vais peut-être faire boum, mais j'ai pas assez de munitions. Très douée là quand même. Je crois qu'elle est loin là. Ah non, c'est bon, il va arriver. Possible, je me rappelle tellement plus de ce que j'ai pu dire à 5 minutes. Quand t'as plus de vie, quand t'as plus rien pour te protéger, ça devient chaud quand même. De retour sur le champ de bataille. Et hop, c'est parti niveau 32. Et voilà. Ça c'est bon, c'est fait. On va essayer de descendre par ici. Ça c'est pas bon là, j'ai pas assez de munitions. Tirer avec une arme qui n'est pas du tout adaptée. Ah, c'est ma 41 balles en celui-ci. Vous avez pas les munitions s'il vous plaît? Oh, parfait. Hop, hop, hop. Attends, j'ai plus d'armure. J'ai plus d'armure. Pousse, pousse. Ça vient de mourir. Oh, les saletés là-haut. Ça c'est bon, c'est fait. Je crois qu'elle a tiré sa compétence, elle. Ouh, c'était pas loin. J'ai l'impression de toujours me faire avoir par les mêmes, là, les dames, là. Salut Ramucho! Comment vas-tu? Je vais bien de mon côté, je commence un peu à plonger, petit à petit. Comme hier. Non, c'est pas ça qu'il me faut, zut. Je me trompe d'arme. Ah, y'en a là. Je te remets sur pied, Jess. Elle va y passer, celle-ci. Si elle veut bien. Chérie! Grand la bouche, j'ai des pruneaux. C'est bon. Bon, est-ce combien de gens vivants encore dans ce dans il y en a là, en face. Et c'est trop cette salle. Non, c'est bon, on l'a eu. C'est bon. On a réussi à tout bousiller. Oh,
Oh, c'est quoi ça? Comme arme? Ah, elle l'a déjà tué. C'est extrêmement violent comme arme. Elle s'appelle comment celle-ci? Personnage arme Uber Hammer. Ouais, mais c'est toujours pas ça que je cherche. Mais du coup, il disait la mort gelée. Donc pourquoi ça veut pas m'ouvrir la porte? Parce qu'ils me disent qu'il me faut le désir la mort. Je sais plus. Un gros orage chez moi, c'est cool là. Non, mais c'est pour ça. J'aimerais bien m'arrêter un peu plus tôt déjà parce que je commence à fatiguer. Déjà aussi parce que je reçois du monde ce soir. Enfin, cet après-midi. Donc du coup, il va falloir que je fasse une nuit blanche. Et il y a des chances. Donc je sais pas comment m'en sortir à ce niveau-là. Non, mais comment je dois faire pour défoncer cette porte? Il y a forcément moyen de... Parce qu'apparemment j'ai la bonne. Bouche. Je sais pas, je tente des trucs, un poignet. C'est vraiment c'est ça dont j'ai besoin. Ouvrir avec le diesel craftwork. Diesel craftwork, c'est quoi? Mais non, mais j'ouvre les trucs avec le laser armor, donc pourquoi le diesel armor il fonctionnerait pas avec ça? Je comprends pas comment je suis censé les ouvrir. Oui, c'est Bart. Bah, ne serait-ce que le jour de mon anniversaire, en général, ça dure de 11h jusqu'à 2-3h du matin le lendemain. Enfin, de 11h du matin jusqu'à 3h le lendemain. Mais c'est cool que les températures descendent. Voilà, du coup, dans cette salle-là, il fait toujours un peu trop chaud. On est encore à 29, là. Mais dès que j'aurai ouvert les fenêtres et que j'aurai réussi à faire rentrer un peu d'air frais tout à l'heure, ça ira beaucoup mieux. Toi, je t'aime pas. Je m'en vais. Bon, j'ai toujours pas compris comment il fallait que j'ouvre cette porte, du coup. Je suis perdu. Sauvez-moi! Please! Je pensais. En plus, j'ai tellement plus de munitions. Faudrait juste les points faibles qu'il a, mais c'est chaud, je crois que c'est derrière. Peut-être qu'il faut d'abord que j'arrive à virer toutes les choses. Il y a un truc au-dessus. Est-ce que je peux tenter l'ascension par là? Mais oui, je peux. Bonjour, chère terrasse de café. Ravi de vous rencontrer. C'est un repas aux chandelles, j'imagine, sans les chandelles. Bonjour, je prends ça, ça, ça. Et les lunettes. Les lunettes, mon ami. Ah, c'est le médic. Le boum boum. De l'air frais pour la journée, bah ça, mais là en plus je vais recevoir du monde, là on va être 8 dans mon appart. 8 dans 64 mètres carrés, ça va pas être pratique, donc 2 gosses. Mais c'est des gens bien. Donc du coup, enfin 7 ou 8, ça va dépendre. Mais moi qui n'ai pas l'habitude de recevoir beaucoup de monde d'un coup, je sens que ça va être chaud pour moi qui suis vraiment ermite. On va voir. Enfin quand je dis je suis ermite, c'est-à-dire que j'aime bien avoir un espace solitaire, quoi, un espace tranquille. Et là j'en aurai pas. Mais je suis quand même content qu'il y ait des gens qui viennent. Toc. Salut Rezares. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien éviter, parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire. Faut que j'aille jeter des cartons, vider les poubelles, etc, etc. Parce que j'ai passé mon après-midi hier à faire du rangement du coup. Enfin mon après-midi, ma matinée, pardon. Enfin mon après-midi. Bon, qu'est-ce qui pourrait bien me manquer, Uber Hammer encore? Comment je peux ouvrir ces foutues portes?
Il y a un document derrière ça. Compris, ça. Il y a des trucs ici. Alors, ça je prends. Et... Ça toc. Ce que je cherche, c'est le document qui est ici. Voyons voir ce qu'il nous raconte de beau. Note de Moritz. Ne pique pas une crise, mais il y a un chien mort dans le coffre de ta voiture. Il ressemblait à un de ces schnauzers. Il devait être à quelqu'un. Il a un collier ridicule en forme de cœur avec marqué Fräulein Elisa dessus. Je l'ai écrasé sans faire exprès en allant au travail et il fallait que je le planque jusqu'à la fin de ma patrouille. Je m'en débarrasserai dès que possible. Honnêtement, il a plutôt une tête marron. Si tu veux le montrer à tes collègues, quelqu'un lui a même mis une veste à froufrou. Sérieusement, mettre des vêtements à un chien, ils sont bizarres, ces Français. Commandante Moritz. Maurice. Comment vas-tu? Bah ça va fatiguer mais ça roule, franchement ça passe. Je suis pressé de que mes habitats arrivent. Bon, encore une fois, voilà, je serai pas là cette nuit. Peut-être pas non plus la suivante. Parce que vous voyez, là, ils mettent l'icône. Et ils me disent que pour détruire ça, il faudrait le laser. Bah non, c'est pas ça que je cherche. Voilà, et là ça fonctionne. Il manque une arme aussi électrique ici. Oh, pas que par la chaleur et les petits soucis qui font que la vie est compliquée en ce moment. Pas pour moi, hein, mais difficile de dormir, c'est tout ça quoi. Disquette, j'ai plein de disquettes que j'ai pas encore activées, je crois. Voilà, il y en a 3-4 que j'ai pas encore activées. J'ai besoin d'un service, etc., etc. Par là-bas, on a quoi? On a un point de sortie. Mission au raid, frère 1, entrer dans la prison. Donc il faut que j'entre dans la prison, d'accord. Est-ce que j'aurai assez de munitions? Est-ce que j'ai tout vu? On est bon. On part du principe que tout est ok. Ok, faut que je sorte d'ici. Y a pas d'éléments supplémentaires. Non, c'est bon. Oh les chiens! Ah, une cassette. La petite ceinture est un des premiers chemins de fer français, construit il y a plus de 100 ans, sous le règne de Louis-Napoléon Bonaparte. À la même période, Georges Eugène Haussmann était désigné pour superviser les grandes rénovations de Paris, démolissant les quartiers moyenâgeux pour les remplacer par de larges avenues, parcs et bâtiments aux façades plus esthétiques, changeant ainsi le visage de la ville. Avec les progrès technologiques et la chute de l'économie, la petite ceinture fut progressivement abandonnée avant d'être envahie par les bidonvilles. Après que les nazis aient pris le contrôle de Paris, ils décidaient de transformer le quartier en ghetto. Regroupant les citoyens aux opinions et comportements dissidents, ils ont construit des bunkers massifs et barricadé certaines rues afin de contrôler et surveiller la population. Les longues avenues et façades harmonieuses, conçues par Haussmann pour aérer la ville, se trouvaient ainsi brisées par des fortifications métalliques et d'immenses dalles de béton. Il n'a pas suivi le texte, lui. Il n'y a pas eu tant de fail que ça, hein, au final, sur le jeu pour l'instant. On voit qu'on a un certain nombre d'heures qu'on joue en très difficile. Je trouve encore une fois que ça pourrait être bien pire. Ah, autre document. Scandale politique en Amérique, 5 octobre 1979, Berlin. C'est l'année électorale pour les anciens territoires américains, et une fois de plus, elle a été entachée par les scandales des subterfuges. Les deux candidats à la présidentielle ont été pris en flagrant délit d'achat de vote, ainsi que de corruption des fonctionnaires préparant les futurs bureaux de vote. À l'heure actuelle, il est impossible de dire combien d'États sont touchés par la fraude électorale. Un analyste du ministère des Affaires étrangères commente. La fraude électorale est un problème qui gangrène l'Amérique depuis que le Reich s'est retiré de la région dans les années 60. Compte tenu du fait que très peu de citoyens souhaitent que l'un ou l'autre des candidats ne gagne, la plupart d'entre eux préférant probablement revenir à l'époque où nous étions aux commandes. Le seul moyen que pour ces prétendues élections de maintenir un semblant de crédibilité réside dans la création d'électeurs fictifs. Les fraudes électorales ne sont plus ni moins ouais, c'est bizarre, qu'une facette incontournable du style de vie américain. Ça laine, c'est les petites piques, alors tu vois. Bon. Mais trop débloqué. Il voulait que j'aille où, en fait? Bon, on va aller voir ça, je pense. Quoique, est-ce que je peux d'abord aller aux catacombes? Pour refaire le plein de munitions partout. Ça me semble être une idée plutôt intéressante, ça, non? Vous êtes de retour. Oups, j'ai fait une bêtise.
Je suis en train de revérifier si ça fonctionne encore, tout ça. Oui, mais je sais que ça m'a l'air de fonctionner. Nous avons qui aussi qui est encore en live à cette heure-ci? Nous avons The Teton, On Test, Mr. MB, Yuni et Pinky Sammy qui sont encore en stream à cette heure-ci. Oh bah c'est cool. Ça fait un petit peu de monde. Allez hop, on y va. On est niveau 32. J'étais là pour récupérer des munitions. Quel côté elles sont les munitions? Là. Ça va bien? Hey. C'est bon. On peut repartir. Tout ce qui me manquait, je pensais en avoir besoin de beaucoup plus de balles. Bonjour. Bonjour. Salut. Il n'y a pas l'ordinateur, si, terminal. Rapport de surveillance. Henri, je surveille le nouveau bâtiment radio des nazis depuis une semaine. Apparemment, ils viennent de recevoir une caisse de la Gestapo qu'ils stockent dans une pièce verrouillée. Je crois que nous devons tenter d'entrer et de l'ouvrir. Mais le bureau électronique est hyper sécurisé. Il nous faudra une sacrée puissance de feu pour le forcer. On en discute lors d'une prochaine rencontre. Vive la résistance. Ok. Helmut, tu te souviens du jour où nous avons préparé le joli balcon avec les deux statues de soldats surplombant le boulevard de la Victoire pour l'hypercommandante Fletcher et sa rebelette, il y a quelques semaines? Tu sais, avant que les terroristes ne sèment le chaos avec leurs attaques, je pense avoir oublié une paire de lunettes 3D sur place et j'y tiens beaucoup. Puisque je ne suis pas en ville, tu voudrais bien aller me les chercher. Si oui, je verrai si je peux te donner ces fameuses vacances, d'accord? On vient de les ramasser. Hein. Lunettes 3D comme quoi... Hi Claire Fritz. La disquette n'est pas encore décodée, on y va. Johan, la caisse de ravitaillement de la Gestapo vient d'être livrée à la station radio située près du boulevard de la Victoire. Comme demandé, j'ai assigné un code à la serrure, 9189. Nos hommes stationnés près des portes de Frère 3 ont indiqué qu'une des caisses de la Gestapo avait disparu, probablement volée par les terroristes. Si elle réapparaît dans ton secteur, le code est 2161. Tu ouvres l'œil, d'accord? Claire, Karl. Ok. Ça va? Salut. Ouais, ça va bien, et toi? On descend. On descend. C'est par là. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il ne reste plus que ces missions-là. Voilà, on a plus de... On a plus de quêtes pour le moment. Donc ça se trouve, j'ai fini les quêtes secondaires. Ah bah non, attendez. Il y a un moyen tout simple de le savoir. Suis-je bête? Statistiques. Mission secondaire terminée, 48%. Donc on a encore un petit paquet, les quêtes secondaires, en fait, à faire. Alors, reprendre. Toc, toc, et on va entrer dans la prison. Je suis curieux de voir ce que ça va nous apporter comme truc. Rap, tap. Stop spreading the moon. I'm leaving today. Frère 1, nous voilà. Ça va se couper, franchement. La principale de Frère 1 est verrouillée et on ne peut y accéder que de l'intérieur. Toutefois, d'après cette carte, vous devriez trouver à proximité l'entrée de la prison. Je vous conseille de la chercher. Bien reçu, Abby. New York, New York. Make it there. Là, je peux ouvrir. Bonjour, monsieur Hitler. À moins que ce soit en hauteur. Mais non. Calme-toi. Hop, cassette. Mec, y'a un mec qui a fait une boire. Ah mince, il est de l'autre côté de la vitre. Je traîne un peu fort. Un truc ici. Une cassette. Alors c'est quoi le film? Le film c'est Das Ende Alles Bosen. Je sais pas comment ça se prononce, on s'en fout. Remasterisé pour UVK, Das Ende Alles Bosen est un classique cinématographique relatant de la lutte éternelle entre le bien et le mal. Admirez la splendeur du Reich, telle qu'imaginée par notre très regretté Führer Adolf Hitler. Ayant écrit et produit lui-même ce superbe long métrage, ce film traite de tous les sujets possibles, amour, haine, courage et surtout de l'éradication totale du mal. À la fin vous vous direz, waouh, c'était un super film, c'est garanti.
Il y a des gens en bas. C'est grave, docteur. Je suis pas sûre qu'on a déjà les épaules comme ça, Jess. Ah oui! Ok, ok, d'accord. Niveau 5, là, la sentinelle, quand même. Hein. C'est pas de la petite sentinelle, ça. C'est pas cool, ça. Est-ce que j'ai sélectionné la quête, au moins? Non, j'avais pas sélectionné la quête, donc forcément, je voyais pas l'objectif. Je le sens pas trop. En train de me voir, allez. Laisse-moi tranquille, je suis innocent. Encore en dessous. Est-ce qu'il y a des gens là en dessous? On dirait une des prisons dans lesquelles on est entré dans un des précédents Wolfenstein. Peut-être là. Hein. Je ne sais plus exactement tirer le levier. Hop, disquette. Disquette récupérée. Là, ça mène où? Ah, mais ça, il y a quelqu'un là. Oh, sourd de l'autre côté, c'est pas juste. Qui me gratte. Est-ce qu'on tente l'accès par l'autre côté ou pas? Bien envie de tenter quand même, moi. Mais si je bousille ce truc, ça va mal se passer, non? Pas vers nous. Je sens pas trop cette histoire. Je l'avais dit, ça sent pas bon. Tu peux m'aider? Je suis à terre, Sof. Oh, c'est bon. Je suis prête et parée au combat. Jess, t'es trop badass. C'est clair. Comment on va faire notre coup? Voilà qui est fait. Il se souque de l'autre côté. Electro machin chose. Ah mais je l'ai pas l'électro machin chose. Bon, va falloir que je repasse devant ce truc là. Une cassette. Qu'est-ce que c'est que musique? Avec le truc, c'est le Valérien. Comment vas-tu? Il y a du monde, comment ça, il y a du monde. Il n'y a pas grand monde sur le chat par contre. Qui discute. Chier, pas avec la bonne arme. Je vois ça. Est-ce que je peux tenter de faire comme ceci? Non, ça marcherait pas. Notre arme. Oh! On va rester calme. Si je peux essayer de me débarrasser de ces armes, ce serait déjà pas mal. Hop, un bras en moins. Je vais flinguer ce connard de nazi. Sois pas tout feu tout flamme comme ça. Tu vas bien que ça te réussit pas. Son cul nazi, je vais
t'en faire une compression, ça, si t'as besoin. Attends, j'ai plus de munitions. Je suis concentré. Il est 10h50, comment ça? Ah, tu veux dire chez vous, oui. Jaboum! Sérieux? On l'a eu? Ah bah oui. Toi aussi. Ah bah ça va! On t'a quand même bien ouvert, toi! Suis-moi ta maline, hein? C'est bon. On l'a eu. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Comme des machins qui atterrissent et qui m'envoient la mort. Non ? Il y a un truc ici, un journal. Un journal qui dit quoi ? Bonjour, rue renommée en hommage à Die Kaffer. Le 6 avril 1980, Berlin, hier, un projet de rechangement de nom d'une rue de Paris-Stadt où le légendaire groupe de musique Die Kaffer a enregistré son premier album a été annoncé. La rue sera renommée Route Mondmand. En hommage à leur premier tube, Monde Monde Nyaya. Le groupe adulé n'a pas fait d'apparition publique depuis le massacre de Jimmy Carver Show en août 1961, au cours duquel la grande générale Irene Engel fut brutalement assassinée devant les caméras. Tous les membres du groupe sont présumés faire partie des nombreuses victimes civiles tuées par Blasco Lebargeau et sa clique de terroristes au cours de l'attaque. Klaus Friedman, le directeur du département des affaires non résolues de Gestapo de Berlin, a déclaré à l'un de nos journalistes que l'enquête concernant la sort du groupe musical adoré était toujours ouverte. Le massacre du Jimmy Carver Show est l'un des actes terroristes les plus méprisables du siècle. Concernant le sort de Die Kaffer, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire à ce stade, mais que je sois clair à la vérité, éclatera. Je sais même plus ce qui s'est passé, je crois qu'on leur a demandé de sortir, donc je crois qu'ils se sont bien échappés en fait. Pourquoi avoir tout là-bas? Monte, monte, ya, ya. Où ça mène cette histoire? Oh non, ça a vraiment quitté le niveau ça. Ils expliquaient que les portes étaient quand même bien gardées. Ils me disent qu'il y a une caisse. Ah non, la caisse est en dessous. Ok. Caisse, caisse, ici, merci. Là encore une de ces portes que je peux pas faire péter, c'est chiant. Parce que du coup, je comprends pas ce qu'il faut que j'utilise pour passer. Moi j'aimerais bien qu'il soit l'heure du Québec, là, comme ça j'irai me coucher, et après je me relèverai et je serai tranquille. Attention cadeau! Je sais pas si ça doit faire un peu de temps. Pas qu'il manque déjà assez d'armure comme ça, hop. Tiens. Continue, Soren. T'es une vraie championne. C'est bon. Un deuxième par là. Tu te bats comme une pro. Oh, merci. Non, mais il manque un bras là déjà. Bien sûr. J'ai besoin d'aide. De retour sur champ de bataille. Comment c'est pas juste ce qui vient de se passer là? J'ai 12 points de vie. Comment ils ont débarqué? C'est bon. C'est bon, les a eu, tout va bien. On est ok. Ah il en reste un. Hop là. Ravi de t'avoir rencontré, monsieur.
De la santé, dégâts explosés. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait bien me manquer, personnage, pouvoir? Ça, c'est toujours pas. Reste une énigme. Cette capacité reste une énigme. Qu'est-ce que ça pourrait être, du coup? Parce qu'on l'a pas encore. Bon, déjà, je vais prendre ça. Ça coûte cher, mais je vais le prendre. Voilà, parce que l'autre, elle veut pas péter les trucs. C'est les ennemis blindés. Votre énergie diminue moins rapidement en étant invisible. 3 points. Monte. Ouais, je pourrais faire ça. Augmenter un petit peu ma capacité en armure, ça peut pas faire de mal. Ok, donc tout ça c'est fait. Ensuite, qu'avons-nous sur les côtés? J'aimerais bien trouver les armes qui me manquent, décidément. J'ai pas le bon truc. Où est-ce qu'il est le machin à code? L'entrée de la prison est juste là. Est-ce qu'il y a des choses en dessous là? Comment récupérer ce qu'il y a en dessous? Peut-être qu'il faut tout simplement entrer dans la prison. Il y a une de ces tours ici. J'aimerais bien quand même explorer le reste du niveau. Pas vous? Un petit peu. Donc on a déjà été au bout là-bas. Allons de ce côté. Après, il y a des choses dans ce bâtiment, mais c'est fermé. Peut-être que c'est pas là que je vais ressortir. Peut-être suis-je obligé de passer par la prison pour rentrer, et pour sortir on repassera par là et on tuera tout le monde. Parce qu'on le vaut bien. Là aussi il y a des trucs qui sont... Bah. Coucou. Il y a des trucs planqués sous terre là. Est-ce que c'est dans les égouts? Est-ce que... Bah, Toshoshi me perturbe. Parce qu'après c'est le métro, on peut pas passer dans le métro. On est à Paris. Quoi, ce bâtiment? Normalement les bâtiments sont pas censés dépasser la tour Eiffel. Et on la voit pas une seule fois dans le jeu, j'ai l'impression, la tour Eiffel, hein, pour le moment. On essaiera de voir. Peut-être qu'il la garde pour la fin, pour dire, hey, on était bel et bien à Paris. Attention, j'appuie sur un bouton. Sire, vous êtes sur le point d'entrée dans la prison de la Gestapo. Vous devriez y trouver un ascenseur qui vous conduira au bâtiment principal. Cherchez-le. Terminé. Ok, terminé. Pardon madame, je ne fais que passer. C'est bien, je passe un peu au travers. Viens, il nous faut une vie, j'en ai perdu une tout à l'heure. Il m'en faut une. Monte. On va faire durer un tout petit peu plus la rediffusion, parce qu'après je m'arrêterai, je pense. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai encore des choses à faire pour la venue des invités aujourd'hui. Donc ça serait bien que je m'en occupe. Allez chérie, on y va. Mesdames, vous devriez trouver dans cette zone une remise contenant des armes et des équipements volés. Mettez la main dessus, ça pourrait vous servir. Génial, merci Abby. C'est blindé. Et là, du coup, je fais comment si j'ai pas ce qu'ils font en laser? Je crois que j'ai alerté tout le monde, hein. Ouais, d'accord. Par contre, si vous pouviez m'ouvrir les portes, ce serait cool. Hop, ordinateur, laser craftwork. Appuyez sur N pour tirer, N pour viser. Laser work est une arme aussi puissante que des bastracites. Elle est particulièrement efficace contre les ennemis blindés grâce à ses rayons d'énergie concentrés capables de désintégrer les ennemis et faire fondre le métal. Les surfaces marquées de rayures jaunes indiquent que le métal peut être, j'imagine, dissous par le laser craft machin chose. Eh ben voilà, en fait, on le récupère en avançant. Bah c'est bon, je comprends maintenant mieux. Ce que c'est que nos armes qui nous manquaient.
Bah attends. Du coup, il y a ça, 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 et ça, si. Ok. Arton, Arton. Ouh, mais c'est un lecteur de disquette, tout ça. Bonjour. Alors, lisons cela. Commandant Albert, l'appartement de surveillance civile en face de Frère 1, un endroit évidemment utile pour surveiller les... comportements civils douteux, je n'en doute pas, est une énorme faille pour la sécurité de la tour. N'importe qui ayant un tantine de jugeote pourrait facilement accéder à la passerelle de la porte de sécurité, puis la fenêtre, et se retrouve derrière les portes de la prison. Pourquoi est-ce que personne n'y a pensé? C'est incroyable, cette stupidité qui règne tout autour de moi. Posez au moins des barreaux aux fenêtres, bon sang. Général Winkler. Qu'on a déjà tué, hein, je le rappelle. Fischer, suite à l'intrusion des jumelles mortelles, tous les codes des caisses de la Gestapo dans Frère 1 doivent être changés. Pour celles qui se trouvent dans les cellules de détention, utilisez 1, 2, 6, 5. Il y en a une autre dans le couloir de l'entrée. Utilisez 7, 5, 3, 2. Enfin, pour la caisse objective, 3, 4, 4, 4. Faites au plus vite, compris, à Hitler, Wechsler. Et ben voilà, c'est ça que je peux découper. Et attention, mesdames et messieurs, dans un instant, c'est quoi la touche pour... Apparemment, c'est 8. J'ai pas la bonne arme. Si, 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 si. La note plus loin. C'est bon, je t'ai eu. S'ouvre ailleurs. Bah, dis donc, qu'est-ce que vous faites ici, les gens? Alors, il y a des choses à récupérer là-dedans, mais je peux faire le tour par là-bas. Là, il y a quoi? Il y a des petites choses à récupérer ici aussi. Ah, Lasercraft. C'est vrai que c'est quand même plus rapide. Alors, hop, munitions, munitions. Toc, 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 toc. Ça, je prends. Et là, nous avons un bonus sous forme de lunettes. Que voici. Les lunettes 3D, c'est trop la classe. J'aime bien, moi, ce genre de choses. Mais là, les modèles que vous nous proposez sont pas extraordinaires. Hein, qu'on se le dise, on a vu mieux. Alors. Comment puis-je entrer par ici? Est-ce qu'on peut passer par au-dessus? Ah bah non, il y a une porte ici qu'on peut démonter. Donc pourquoi gêner? Bonjour, ravi de vous rencontrer. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Apparemment, il y a une passerelle au-dessus. Je peux pas l'atteindre comme ça. Par contre, peut-être que comme ceci... Non. J'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. Faudra que je fasse le tour. Le mec regarde le plafond comme ça, en levant la tête, comme si ça allait changer quelque chose. Bonjour. Mais c'est un gros toutou, ça. Gaffe, ça explose après. Ok, tout va bien. Toi, tu meurs. Ça. 30 secondes, je recharge, je suis à toi. Même sans changer d'arme, alors je me fais tellement mal maintenant. Ah, je crois qu'il a planté sa grenade où il fallait. Hop. Tu sors, toi. D'où tu sors? Alors, c'est quoi ces couloirs? Ici, nous avons quoi? Toi, t'es avec moi. Est-ce que je peux tenter de faire comme ceci? Il faut trouver un moyen d'y accéder. Faudrait que j'aille jusqu'au point de sauvegarde, sinon je suis obligé de relancer des rediffusions. Il y a encore des rediffusions, et encore des rediffusions. Et mais c'est encore au-dessus? Zut. Qui m'a vu?
Moi, il y a des trucs à lancer à côté. T'es mort. Et mon téléviseur qui veut s'éteindre. Hop. Bon, je sais pas si ça vaut le coup de recommencer le niveau ou de faire autrement. Par contre, ils me disent qu'il y avait un truc à voir ici et que j'ai pas vu. Ok, toc. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Voilà, là y'a rien. Toujours pas ça. Je me trompe de touche en fait à chaque fois que j'essaie d'activer certaines choses. Top, ça je récupère. Merci, au revoir. On a vu. Hop là. Monte, monte. Ya, ya. Par là. Ah non, ils disent qu'il y a encore des choses au-dessus, mais je vois pas où est-ce que c'est. S'ouvre ailleurs. Bon, on n'a pas le choix, on doit passer par ici en fait. Bah, attends, mais ça c'est là d'où je viens. Quelle quiche. On arrivait par là, voilà. Et ensuite on prenait à gauche, voilà. Ici on peut pas passer, là non plus. Donc qu'est-ce que j'ai pu rater dans cette histoire? J'ai l'impression que je vais louper plein de... C'est tout ? Vengeance ! Ça c'est fait. Toc. On dirait une salle des commandes. Est-ce que je peux ouvrir toutes les portes, s'il vous plaît ? Alors je sais pas si ça se garde après ça. Est-ce qu'il y a un moyen de voir sa sauvegarde ? C'est parti, Arthur. Je sais pas. Oh, des potes. Salut. Il y a une disquette ? Non, un document. Alors, 6 juin, une copie d'une des lettres trouvées dans la fouille de l'appartement de l'ex-général Lothar Brandt l'an dernier. Nous savions qu'il avait des sympathies. Disons, au sein de la Gestapo, mais maintenant personne n'aurait imaginé qu'il y eut des alertes à tous les niveaux du système. Peut-être même jusqu'à Berlin. Général Messer, donc c'est adressé à ma général Messer. Je veux que vous la confiez à cette personne de votre bureau, celle qui analyse les écritures pour examen. Les chances sont peut-être minces, mais nous pouvons peut-être découvrir qui l'a écrite. Je dois connaître la vérité pour le Reich, mais également pour ma santé mentale. Autre nouvelle, nous avons capturé le porte-parole des terroristes, une certaine Marianne. J'ai de grands projets pour elle et notre propre diffusion de propagande. Je vous ferai rapidement part de mes résultats et je pense que vous ferez très fiers de mes travaux. Avec l'air hyper-commandant Fleischer. On l'a déjà tué aussi, je crois. Mission requise. Mission requise, donc je peux pas y aller ici tant que j'aurai cette mission. Je sais pas si je dois sauvegarder à partir d'ici ou pas. Ça sonne plutôt bien. On se fait à la Gestapo quand même. Il me touche quand même, c'est le visage de bras, j'ai l'impression de faire tous les dégâts comme ça. Et moi je peux les empêcher de me tirer dessus. Voilà, efficacité maximale, on essaie de viser les points faibles. Toc, toc, toc. Ah, plus de munitions. KO. Et voilà qui est bon, ça c'est fait. On recharge l'arme et on se barre. Donc ça c'est ok, ça c'est ok. Là on pourra aller voir des choses à l'intérieur apparemment. Mais c'est au-dessus. C'est au-dessus. Je crois qu'on est arrivé par là en fait, ouais, c'est ça. Hop là. Toc. On va prendre l'ascenseur. Et on coupera le live ici, la rediffusion avec. Toc, 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 toc. Enfin, la rediffusion d'abord. Est-ce que je peux sauvegarder là et quitter ?
L'ordinateur central de cette tour se situe dans les archives de la Gestapo, aux derniers étages. Trouvez un moyen d'y accéder. Terminé. Ok, mais je pense qu'on va s'arrêter là, donc j'espère que cette rediffusion vous a plu, je sais pas si ça se regardait ou pas, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, on se retrouve très vite pour la suite des événements, en attendant un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestesjeux.fr, passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous, et à ciao tout le monde, du moins, à la prochaine, ou du moins tout de suite peut-être, parce qu'on va se dire au revoir quand même avant, enfin, va pas si loin toi. Hop là, j'attends que le Halo Pyrose soit passé. Et hop là, voilà tout de suite.